Ouais, t'as baisé ton son. Mais non! Bah si, si je te dis que si! Mais si je crie! Bah, crie tout le temps alors! Donc, on est de retour, donc avec les Cyberwings encore une fois. Encore? Encore! Contre, je sais pas, parce que Facebook ne veut pas marcher chez moi. Alors, qu'est-ce que se passe-t-il? Pourquoi? Pourquoi? D'abord, est-ce qu'on peut avoir un retour sur les commentaires de ce premier match? Est-ce qu'on entend bien? Est-ce qu'on parle trop? Est-ce que c'est trop technique? Est-ce que les commentateurs sont trop cons? C'est trop drôle? Ah, si vous avez des retours, des trucs qu'on peut corriger, améliorer, faisons-le à la volée. Donc soyez les bienvenus à... bah, par exemple sur Facebook, hein, vous pouvez dire ça ou n'importe où. Tête de livre. Tête de livre. Oui, parce que je sais pas si ça rend bien ou pas, mais c'est mon premier commentaire. Alors donc du côté gauche nous avons Shane, Evelyn et Jax qui ont été ban. Donc bah des persos OP, hein, tout à fait, très bon choix. Et côté droite, donc Amemu, Malphite et Kassadin qui ont été ban aussi, donc pareil. Mais bon, on va dire qu'en ce moment il n'y a plus trop de quoi avoir peur de Kassadin. Pourquoi dis-tu ça, l'ami? Il me fut pas trop peur, ce mec-là. Mais il a pas été nerf, si? Non. T'as dit, c'est vrai qu'à un moment donné, c'était le perso Ouais. impossible à jouer en game ranked, et maintenant, tout le monde s'en chie. Bon, alors, ouais. Moi, je peux pas avoir la game, là, hein. Comment je fais? Donc tu fais... En fait, non, pour l'instant, vu que t'as pas été invité, tu peux pas voir les pics, tu peux juste voir après, là, dès que ça commence. Tu peux faire spectate. Tu fais un clic gros sur mon pseudo, puis... Mais pas maintenant. D'accord. Donc, alors c'est quel team? J'arrive même pas à voir Facebook, il veut pas se lancer. Pourquoi il veut pas se lancer Facebook? Ouais, j'ai plus très peur. Alors, ben moi je peux te dire, c'est les STF 300 Team Fix, c'est ça? C'est sûrement ça, ouais. Sans team fixe. Les STF contre Cyberwing, et de l'autre côté, on a les disciples de Raisen versus Ignite. De Raisen, je crois qu'on a dit. Je crois que j'ai un problème de DNS, moi. Je sais pas ce qui se passe. Donc STF versus Cyberwing, et on souhaite bonne chance à STF vu la démonstration de force que vient de nous faire Cyberwing. Il a quand même 23 viewers qui nous regardent en ce moment même. Ah, ça fait plaisir. Ne parle surtout pas à la bouche pleine, hein, c'est pas très poli. Bon. Salut les viewers. Coucou maman. T'as amené toute ta famille, Gère! Oui, pardon, et mes cousins et tout. C'est pour faire monter les stats pour être partenaire YouTube, tu vois. J'espère que t'as amené ta sœur. Enfin. Non, ma mère, si tu veux. Oh! Oh! C'est pas ça pour. Enfin bon! Enfin bref, donc il y a eu le style qui a été choisi en tant que. Après, il y a eu Zaira, Caitlyn, enfin, rien. Enfin bref, retournons au jeu. Caitlyn a des carries? C'est plus Baka qui joue à des carries. Que se passe-t-il? Ah. Ils l'ont fait trop mauvais à la game précédente. Donc Baka, il a choisi Katarina. Et oui. Irelia en top. Oula, c'est vraiment une belle team. Hein. Contre en face, il y a Volibear en jungle. Blitzcrank en support. Ezreal. En AD carry. Ezreal. C'est vrai? Ouais. Ah, Ezreal. Et Shogat en... Il va où lui? En mid, sûrement, voilà. Et Olaf, top. C'est vraiment une team de port aussi. Hein. Oh là là. Effectivement, ouais. Ça fait vraiment très très peur. Hein. Ouais, je vois que tu as lancé le stream aussi. Ça fait une personne de plus. Merci, Mister. Ouais, donc... de rien. Manière de gonfler les stats. Voilà, merci. Je vais être partenaire on 3D dans pas longtemps. Donc, alors, en fait. Du côté de Cyberwing, on change pas une équipe qui gagne, hein. Toujours Lee Sin, Zira, Caitlyn, les valeurs sûres quoi. Et par contre, on est passé en Kata Irelia, donc étonnant, mais... Ouais, là ça peut faire mal. Hein. Alors c'est quoi, c'est qui est-ce qui est support dans l'histoire, c'est Kata? À mon avis, non, c'est Zira. Ouais, Zira, ouais. Kata, elle est... D'accord. Ouais, non, parce que Kata au support, c'est n'importe quoi. Pas faire ça. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, voyons. Voyons, vous confondez tout.
Et du côté de... Ah bah alors attends, les Cyberwings qui avaient ban Ezreal et Blitzcrank à la game précédente, et qui là se retrouvent avec les deux dans la team d'en face. Donc t'as à croire qu'ils l'ont fait exprès, hein. Presque envie de dire qu'ils ont vu la game précédente et qu'ils se sont dit, eh ben tiens, on va les emmerder. Je pense que non, ils ont vu, ils ont joué en même temps, je pense. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas, non, ils n'ont pas pu voir le match. Pour l'info, mais bon, quoi qu'il en soit, je spécule, je Ouais, spécule. quelqu'un a sifflé. Hein? Bouche à oreille, va vite. Ah non, c'est ma casserole, ça. Ah, pardon. Ça ouf. Je me disais, il y avait un petit bruit. Ouais, donc, le petit délai, on va attendre 1 minute 30 avant que ça charge. Alors, qu'en penses-tu, toi, qui... Enfin, tu pencherais vers qui, là? Bah écoute, effectivement, ma casserole était en train de bouillir. Voilà. Il y avait quoi dedans? Alors je penche vers qui? Bon, moi j'ai pas de préférence, évidemment. Mais alors, qu'est-ce qui peut gagner? Bah, on vient de voir Cyberwing faire une grosse démonstration de force, là, donc a priori, il n'y a pas de raison qu'ils fassent moins bien. Là, ils ont Irelia et Kata qui sont quand même super solides comme pick. Donc et en face, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a du lourd aussi. En face, moi, elle me fait parler la tienne en face, hein. Alors, Je sais pas pour Cho'Gath toi, mais... contre Irelia, qu'est-ce que ça donne comme match-up? Cho'Gath, Irelia... Bah, en fait, non, c'est très bien pour Cho'Gath, hein. Mais alors, ah non, Cho'Gath est forcément mid en fait. Ah, il est mine, mais il va la manger, hein. Mid contre Kata, et bah écoute, pas tant. Bah, elle pourra pas ulti, vu qu'il a son silence. En fait, elle va passer son temps à le Shumpo, et lui, il va essayer de lui foutre les épines dans le cul quand elle repart. Dans les fesses, dit-on. Mais en gros, ça va être un peu le jackpot, quoi, parce que s'il n'arrive pas à la toucher avec les Ouais, épines, s'il arrive pas, par contre, là, ça va ben, être la crise pour lui, hein. C'est la fin du monde. voilà, il va prendre poke après poke. Et honnêtement, quand elle se barre, elle va faire son petit spin là qui lui donne la vitesse de déplacement. Donc elle devrait facilement pouvoir dodge le truc. Du coup, j'ai peur qu'il se fasse bah, petit à petit. Ouais, je pense qu'elle aura même pas besoin de faire son ulti, d'ailleurs. D'ailleurs, si elle le fait, elle va le louper parce que lui, il a son silence. Elle risque de grignoter. Alors pareil, il peut lui foutre un cri quand elle va le Shumpo Ouais, là. mais par contre là, après elle pourra faire son ulti. Mais voilà, il faut qu'il faut rien qu'il loupe quoi, parce qu'il est tout en skill shot, faut qu'il réussisse le cri, qu'il réussisse ses épines. J'ai envie de dire bon courage. De ce côté-là, je dirais plutôt Sebring. Et côté top, Olaf contre Irelia. Honnêtement, je connais pas bien le match-up, toi tu t'y connais plus. Olaf, j'ai jamais joué contre Olaf étant Irelia, mais je pense que ça peut être dangereux de la part d'Irelia. Tu veux dire Enfin, Irelia pour. dans. Ça peut être dangereux pour Irelia, je pense, mais je sais pas trop. Ouais. Bon, normalement, Irelia se démerde à peu près contre tout, mais c'est vrai que Olaf, avec son trou damage de ouf là. Ouais, mais il est pas si fort que ça au début, donc elle devrait avoir l'avantage au début. Niveau 1, il fait du bon dommage. Elle aussi. Attends, je peux spectate, comme ça je vais rejoindre. Voilà. Elle aussi, niveau 1, elle fait du dommage? Ouais. Bon, bah alors, bon, De top. base, elle fait mal, ouais. Top, on va dire que ça dépasse notre compétence. Les EDT, on joue pas ces genres de perso. Non, je... Et encore, sa ligne du skin, là, à mort. Par contre, ils ont pas de gold. Ah si, un seul. Deux, trois. Volibear jungle, ça, à mon avis, c'est très puissant. Ça va Ouais. faire très mal. Avec un skin. Bon. Donc Olaf, ouais, bah écoute, moi je dirais bah, plutôt Sebarwing parce que Ah mid non. j'aurais Kata gagnante. Ah non, moi je dirais l'autre. Je dirais l'autre parce que ils ont beaucoup plus de vie. Ouais, c'est vrai que bon, Cho'Gath, Olaf, faut les Et descendre. Blitz. Volibear, Blitzcrank, c'est que du tanky. Ouais, que du tanky. Faut voir après les dégâts, hein, ce qui se passe. T'as peut-être raison. En endgame, je pense, mais. Parce qu'en fait, Kata, c'est un gros burst, mais bon, si elle ne le tue pas direct, elle perd un peu d'intérêt. On verra, je pense que c'est un assez bon match. Les CC contre Olaf, ça marche pas. Ils se permettent de lancer des petits cris de guerre aussi. Ah, t'as raison. Bah, finalement, bon, je vais rester sur ces Cyberwing à cause de ce qu'on a vu précédemment, mais. Ouais, mais là ça peut être différent. T'as raison au niveau de la compo. Enfin, il faut juste voir comment s'est entraîné la team en face parce que là on sait pas du tout s'ils ont joué plusieurs fois entre eux. S'ils ont pu jouer.
en team, quoi. Alors qu'à mon avis, les Cyberwings, ils jouent très souvent ensemble. Comme dirait Ocelot, l'Epic, c'est 20% de la game, donc il y a les 80% qui sont entre leurs mains, de toute manière. Voilà. Voilà. Mais il y a vraiment un... là, une tactique différente, hein, entre les deux équipes. Vade. Oula, ça invade du côté violet. Bah putain, Irelia qui bouge pas, donc ils vont laisser la jungle, hein, ils vont pas... elle a dit violet. Oh, le flash de Caitlyn, qui était gratos. 2 cm. Vraiment gratos. Irelia n'a toujours pas bougé d'un pouce, donc il s'en fout de... Que se passe-t-il, Irelia? Que se passe-t-il? Une mort s'est posée côté... elle doit laguer, donc elle doit... FTF, ils ont posé une ward, mais pas dans le bush, c'est un peu étrange, je trouve pas. Ouais, c'est mal placé, je dirais. Un peu un fail, cette fois. Sauf s'ils veulent le voler, mais non, c'est pas possible. Non, c'est, la... c'est celle des bleus, justement. Ah oui, non. C'est bizarre. Donc, qu'est-ce qu'ils voulaient voir? Ah, non, rien du tout, là. Là, c'est epic fail, je dirais. Il voulait voir que qu'il se fasse pas voler, mais bon. Il voulait voir l'angle du sapin au fond à gauche. Je pense qu'il voulait éclairer le feu. Il voulait warder le feu, ouais, voilà, c'est ça. La torche. La torche. Bon, et bah écoute. Donc ouais, c'est bien Zero support, hein, comme on a dit. En fait, c'est donné à Lee Sin. Alors je vais regarder en priorité la top lane pour voir ce qui se passe en début de game. Lee Sin qui a ramassé le bleu. C'est un peu notre inconnu, hein, on là, je sais pas qui va se poker en premier, parce que là, je pense, à mon avis, c'est le premier qui poke qui va avoir l'avantage. Parce qu'à mon avis, c'est kiff-kiff, là. Alors, Olaf, lui, il peut lui balancer les haches dans la gueule. Et elle, en échange, elle a quoi? Elle a un dash? Ça dépend ce qu'elle a pris, hein. Ça... Je pense que Olaf doit gagner, en fait, parce que lui, il peut la poker avec ses haches, et elle, non. Et si elle le charge, il a de quoi répliquer avec un gros coup de tonnerre dans la gueule. Bon, on va voir, hein. Je pas à mon avis, elle a dû prendre en premier la régène de vie. Donc, elle va faire ce blood de la part d'Israël. Oh! Lee Sin qui a divé. À mon avis, il était niveau 1, je pense qu'il avait. Oh la Volibear qui est énervé. Oh, c'est très dangereux de la part de Volibear, il se prend le piège et les sbires. Oh là là, c'était très mal joué. Pourquoi il est parti là-dedans tout seul avec tous ses sbires? Oh là là, mauvais. Il est greedy, hein. Ah là, c'était chaud. Il s'est dit, allez, faut pas laisser partir le life comme ça, mais il s'est bouffé. Ah, Katarina qui est sous sa tour mi-life. Tous les sbires dans la gueule. Ah, Olaf qui push en haut. Ah oui, t'as raison. Voilà, l'avantage pour Olaf, c'est parti, est-ce qu'il y a beaucoup plus de sbires? Il s'est pris trop de dégâts de la part des sbires aussi, l'âge d'Olaf. Ouais, ben la hache, hein, voilà. Hein. Ah, mais elle a osé l'attaquer alors qu'il y avait trop de sbires, donc elle s'est pris trop de dégâts. Lui mettre la hache dans la gueule, la récupérer, etc. Et elle, si elle vient, elle va se prendre mal de colère dans la gueule. Oui, est-ce que tu peux baisser ton son de ton joueur là-dessus? Dans Windows, si tu fais ça. Ou dans les options du jeu. Alors, par contre, quand elle sera niveau 6, ce sera pas la même. Ah, pas du tout. A voir après l'avantage qu'il aura. Ah, Katarina qui passe à l'offensive. Lee Sin qui a fait un saut, mais raté. Totalement raté. Donc là. Intéressant, elle a un level de retard, Irelia, elle est niveau 3, là c'est 4, là elle vient de passer 4. Mais là elle peut farmer par contre, elle farm sur la tour. Elle décide déjà de back. Hein. Par contre, normalement elle devrait avoir moins de problèmes pour farmer qu'Olaf. Alors pourquoi il back déjà? Est-ce que c'est pour l'écraser? Alors il a acheté quoi? Il a acheté... Des bots. Des bots, d'accord. Des bots niveau 2, donc c'est peut-être pour la chase, s'assurer de la killer en fait. Il a dû se dire j'ai tellement l'avantage que... La botlane ça fight aussi. Je vais complètement la... Il va essayer de la deny à mort en fait. Mais pendant ce temps il a perdu de l'XP, il a perdu des crit. Et au final là il se fait... Il s'est déjà mis 1000 life. Donc. Ouais, donc là c'est le retour pas forcément à l'envoyeur. Pas forcément une bonne opération pour lui. Oh là là, le croisement Lee Sin Volibear. Ah, je veux voir ça. Ah ça est tout. Que Lee Sin arrive, arrive en premier, il va ganker, il va diver. Ah, oui. C'est raté! Oh, il s'en sort! C'est magnifique! Il s'en sort avec 30 points de vie. S'il avait pas loupé son kick, oh là là. Si le A passé, ouais. Il mourrait. Et même comme ça, c'est juste parce qu'il a eu le réflexe d'utiliser la potion. Ah, du coup, il est calme vide. Il a sauvé.